sentiment d'amour intense. Côté de la chapelle, où ils sont en train de sévir là encore, et il y avait la cour des petits. Alors ce que je faisais quand j'étais en classe, j'emmerdais bien deux ou trois mecs, puis quand ils étaient bien excités, je me barrais en courant dans la cour des grands, je rentrais comme une fusée, j'appelais mon frangin, je faisais « Guy, Guy, Guy !» Alors il disait « Mon frère, arrivé Zorro, et qu'est-ce qui se passe? Ils font que m'embêter, ils castagnaient les petits, ça me faisait beaucoup rigoler. » Et puis je repartais, après j'étais content. Ça fait qu'après j'étais tranquille pendant deux ou trois semaines, parce que j'étais quelque part le chef, obligé, puisque j'avais un frère grand qui s'occupait de moi. C'était vraiment dégueulasse. J'étais de toute façon un petit garçon très, très dégoûtant, très méchant. Peut-être. Je me suis barré à la suite d'une punition. C'est-à-dire j'étais en classe d'études, et puis j'ai dû faire une connerie ou j'ai dû ne pas en faire. Et j'ai eu une punition à ce moment-là qui était la punition la plus dure de l'école. On m'avait envoyé au téléphone. Ça fait rire comme ça, mais le téléphone, c'est une petite pièce, toute petite, vitrée, dans laquelle on t'enferme le temps qu'il faut, on te donne des lignes à faire, à copier. Et quand les autres gosses vont se coucher le soir au dortoir, ils passent devant cette cabine, ils te font bonjour, et toi, tu es obligé de rester là sans dormir. Et comme je connaissais cette punition, je suis sorti avec mon pupitre, puisque je devais partir avec mon pupitre, je suis sorti du collège, et tout d'un coup, ça m'a pris comme une lubie. J'ai posé le truc dans les escaliers, je me suis barré, je suis sorti par derrière, j'ai traversé un champ de blé qu'il y avait derrière, je me suis retrouvé dans un camp militaire, sans faire exprès toujours. Et là, comme j'avais mon frère au collège, tout le monde s'est mis à me chercher, paraît-il. Et je me suis paumé dans la nuit, j'ai fait un peu n'importe quoi, parce que la nuit est tombée ensuite. Et en repassant par la route, j'ai une vision spéciale d'un moment précis où la voiture du supérieur de l'époque, qui s'appelait La Rive, est passée. Mais juste à côté de moi, je me suis mis à quatre pattes et j'ai vu la tête de mon frère par la fenêtre. Ça m'a beaucoup marqué. Bon, ensuite, je me suis retrouvé au bord de la voie ferrée, je me suis dit, je vais rentrer, je veux voir mon père. J'ai suivi la voie ferrée, mais dans le mauvais sens. Je me suis barré dans l'autre sens, au lieu de partir vers Pau, je me suis retrouvé dans Dax. Et là, bon, il m'est arrivé quelques aventures, je me suis retrouvé au bord de la Dour, j'ai traversé une autre école qui était l'école des frères, en pleine nuit, où ils étaient en train de faire un feu. Et puis finalement, il y a un gars, un grand, ce qu'on appelait les grands de l'école, qui m'a trouvé, qui était lui un externe, qui m'a dit quand même que je devrais rentrer. Alors il m'a déposé à l'école, et à ce moment-là, j'ai à nouveau pris peur, je me suis rebarré, et je me suis retrouvé dans l'école, dans la classe, dans la chambre d'un pion qui s'appelait Régis le Grand Éric, je me rappelle. C'était un pion et je me suis foutu sous le lit. Il n'était pas là puisqu'il était parti à ma recherche et plein de gens du collège ne savaient pas que j'étais rentré. Je me suis foutu sous son lit et je crois que ça paraît très romanesque, mais c'est pourtant l'exacte vérité. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai décidé de faire de la musique sans le savoir, parce que c'est pour la première fois de ma vie à ce moment-là que j'ai entendu les Beatles. C'était en 62 ou 62-63 et c'était She Loves You. Le transistor était resté allumé et je crois que c'est comme ça que ma vie a commencé. Ensuite, j'ai eu un accueil royal et pour la première fois de ma vie, j'ai eu le droit de manger au réfectoire des professeurs.